véritable phénomène partout en France et donc forcément aussi dans le pays de Châteaubriant. La Zumba attire chaque semaine à Derval environ 200 participants et surtout d'ailleurs des participantes. La Zumba, c'est quoi ? Eh bien, c'est un programme de fitness inventé par un Colombien, Beto Pérez, qui n'est autre que le chorégraphe de la chanteuse Shakira. Pulseo n'a pas rencontré Shakira, mais Alexandre Mellet, le prof de Zumba à Derval. C'est basé sur des rythmes latinos comme le merengue, la salsa, la cumbia. Et c'était pas très très simple, donc vous travaillez tout ce qui est renforcement musculaire bas des jambes et haut du corps et avec un impact aérobique assez important. Elles oublient en fait qu'elles font de la remise en forme, quoi. C'est-à-dire qu'elles ne pensent même pas qu'elles travaillent les fesses, les cuisses, les épaules, les abdominaux, et c'est sur des rythmes qui sont vraiment très sympas. Donc, elles oublient tout ça, quoi. Elles se mettent dans la musique et elles bougent. La première chanson est basée, c'est comme un échauffement. Et puis après, il y a des chansons qui sont un petit peu plus axées sur le cardio, un peu plus rapides. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lentes, qui sont un peu plus sur le renforcement musculaire. Donc il y a une variation au niveau des musiques et de l'impact aérobique et de l'impact musculaire. Donc il y a des chansons pour récupérer. Après. Donc il n'y a pas de problème, il reste des places dans le sens où on est dans la salle de sport. Donc là, on peut accueillir. Après, c'est le côté visuel pour les personnes, c'est-à-dire que pour me voir sur mon petit podium, c'est assez difficile au départ. Donc c'est ça la difficulté. Et après, il faut venir directement pour s'inscrire à la salle de sport à Derval, côté musculation, et après on vous renseigne. Vous allez voir sur le site. La Zumba à Derval, c'est donc chaque jeudi soir de 20h à 21h et le samedi matin de 10h à 11h.